Pierre Palmade est confronté à ses démons, ses problèmes de toxicomanie, qui ont été un sujet de préoccupation récurrent dans les médias depuis de nombreuses années. Malheureusement, le vendredi 10 février 2023, ses dépendances ont finalement causé un drame. Les proches de l'artiste étaient préalablement conscients que de tels incidents pourraient survenir, néanmoins. Ils furent naturellement choqués et profondément affligés par les événements tragiques qui se sont déroulés. Dans son autobiographie intitulée « Dites à mon père que je suis célèbre », Pierre Palmade a révélé la souffrance de sa mère, Réanne, confrontée à sa dépendance. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis l'accident de voiture tragique causé par Pierre Palmade. Pour la première fois depuis cet événement dramatique, De Vrim, l'enfant blessé, a exprimé les conséquences dramatiques qu'il a subies. Cette situation a entraîné la nécessité pour une famille entière de se reconstruire. Dans le même temps, Pierre Palmade est contraint de rester en résidence surveillée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif en raison de problèmes cardiaques résultant de 2 accidents vasculaires cérébraux consécutifs. Le sort de l'artiste Pierre Palmade demeure incertain, alors que la justice doit se prononcer sur une éventuelle incarcération. Cependant, Vincent Lagaffe, ami de longue date de Palmade, estime que la détention serait préjudiciable pour lui. La question de sa toxicomanie, qu'il avait déjà évoquée publiquement à plusieurs reprises, suscite des inquiétudes et des douleurs parmi ses proches depuis de nombreuses années. Sa mère, qu'il a élevé seul après la mort soudaine de son père dans un accident de voiture, avait déjà exprimé son pessimisme quant à l'état de santé de son fils en 2019. Pierre Palmade avait auparavant réussi à surmonter sa toxicomanie, mais les rechutes ont été fréquentes depuis lors. Dans son livre, il relate les confessions de sa mère, qui s'était résignée à la toxicomanie de son fils, comme le rappelle voici. Cette situation avait suscité un choc émotionnel chez l'artiste, qui avait tout abandonné à l'époque. Malheureusement, il n'a pas réussi à vaincre complètement ses démons cette fois-ci.